Le marchand de poissons, qu'on appelle garçon, est un joyeux garçon qui fait sensation dans tout le canton. Quand il chante en poussant sa voiture de Merlan, il est tellement sympa que les femmes tout bas rêvent de ce gars-là. Le marchand de poissons, qu'on appelle Gaston, est un joyeux garçon qui dès les beaux jours refait son petit tour. Ça n'est pas qu'il soit beau, qu'il chante même un peu faux, mais il a dans la voix un je ne sais quoi qui fait du dégât. Quand autour de lui tous ses clients se pressent, il a pour chacun un petit mot d'allégresse. Il sait peser avec beaucoup d'adresse les jolis poissons tout fêtants. Bien des jolies filles viennent voir son étalage afin d'écouter son petit bavardage. Mais pendant le travail, jamais de badinage, garçon est avant tout commerçant. Quand après sa tournée, oui oui, il a tout liquidé. On le voit quelquefois revenir sur ses pas, moi je sais pourquoi. Il vous donne l'impression de faire des livraisons. Pourtant la vraie raison, c'est que le coquin va voir ses béguins. Et comme vous voyez, il est célibataire, et que dans le pays, il y a beaucoup de rosières. Il a un succès, c'est extraordinaire, ce n'est plus de l'amour, c'est de la passion. Même la vieille marquise et les dames patronesses lui ont fait goûter leur petit vin de messe. Mais là, je ne dis pas, il a eu des faiblesses, car il a très bonne éducation. On peut bien remplacer, oui, oui, le maire et le député, ça oui. Je peux bien vous l'avouer, les gens du canton se font une raison. Mais il y a un petit gars auquel on ne touchera pas sans faire une explosion. C'est le marchand de poissons qu'on appelle Gaston.